Non, on n'a pas été en mesure de maîtriser l'ensemble du match, mais certainement dû à la qualité de l'opposition et le fait que l'on est encore en phase de développement. On joue beaucoup par réaction, on n'est pas en mesure de marquer suffisamment sur nos temps forts et on est malheureusement malmené sur nos temps faibles et on prend rapidement des points. J'ai l'impression que Rodez est tombé sur plus joueur que lui, plus déterminé aussi. Peut-être pas plus joueur parce qu'on a été bien dans cet état d'esprit, mais plus déterminé, notamment sur la fin. La capacité à mettre l'agressivité au moment où il le fallait. Certainement un point où on a été défaillant et où je reconnais que l'on est assez défaillant depuis quelque temps. Dans le discours, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on va faire le point sur... Sur l'état des troupes, on avait déjà pas mal de joueurs qui étaient blessés. À l'échauffement, on en a perdu encore un. On a eu un peu de casse durant le match. Déjà, essayer de régénérer les organismes. Travailler sur la capacité à être prêt pour le match de Lavore, notamment sur ces points fondamentaux où on a été un peu défaillant. Je pense qu'on sera servi d'entrée à Lavore parce que c'est une équipe qui fait partie des favoris et qui sera en mesure de nous mettre la pression comme il le faut. Donc à nous d'être, je pense, déterminés pour cet objectif, mais surtout déterminés pour ce match et les autres. Savoir si on est en mesure de temps en temps d'aller flirter avec la limite de la règle et peut-être, pourquoi pas, de temps en temps la franchir. Comptez sur la réaction des joueurs. Oui, mais ça fait un peu trop souvent qu'on est sur cet aspect réactif. Il faut régulièrement les stimuler ou les restimuler pour qu'on arrive à se mettre dans des dispositions de transcendance. C'est pas spécialement le fait du staff de n'interagir que sur ces points. On a besoin d'avoir un 5 de devant qui redevienne plus conquérant, sans obligatoirement les pointer du doigt, mais il faut aussi savoir mettre en exergue les lacunes que l'on a, et celle-ci en fait part que Castanet aujourd'hui a montré le visage que l'on connaît, qui est une équipe très difficile à maîtriser, mais la leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'elle a été en mesure surtout de nous mettre la pression et à travers cette agressivité au moment opportun. Peut-être qu'il faut s'inspirer de cela pour que chacun de nos joueurs s'affranchisse d'un comportement de temps en temps un peu trop neutre. La dernière mêlée significative pour Desmi à la faute? Bon, après on peut en débattre de l'aspect technique. Est-ce que c'est nous qui sommes à la faute ou est-ce que c'est Castanet? Le fait est, c'est qu'on reprend l'avantage à 3 minutes de la fin. On perd le ballon sur le renvoi, on commet une faute. On permet à Castanet de revenir à égalité et sur le money time, on les a sentis peut-être plus durs sur l'homme, plus en mesure de nous contrer. Et puis voilà, cette pénalité sifflée à 50 mètres, il faut aussi que la buteur la convertisse. Voilà, sa détermination était peut-être certaine et a permis à son équipe de l'emporter. Voilà.